Ça tourne. Ça tourne. Alors, en direct de Puerto de Villarroya. El Puerto À, de on va dire à Viragoya. 1700 mètres pour les Français cette fois qui nous suivent en presque direct Pourquoi? pour la descente. Vous avez dit quoi pour les Suisses? Bah, j'ai dit 1700 pour les Suisses. Bah, les Français, ils comprennent bien Oui, 1700, mais hein? ils disent 1700, arrête. Non, ils disent ça pour les dates, pas pour les sommets. Ah, ok, pardon. Allez, vas-y devant. Observe ce cuisson. Vous avez vu comme elle a chopé du bon cul, la bonne cuisse. Non, non. On voit les kilomètres, hein. Regarde-moi ce paysage. Regarde-moi ce paysage de fou. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Attends. On s'arrête. Regarde-moi ça. On se pose et on regarde. T'entends les cloches? T'as vu, on dirait la muraille de Chine là-bas. Sérieux, hein, là, comme la muraille de Chine un peu. Mais c'est la muraille d'Espagne. C'est marrant, c'est... Franchement, c'est trop joli là. Et il y a encore trop, comme vous pouvez voir là-devant, de petits villages. T'arrives dans le village, tu te croirais à l'époque des châteaux. Il y a encore tout qui est en pierre, c'est magnifique. Il n'y a pas une maison qui est bétonnée, rien du tout quoi. Alors pour ça, il fallait à Mirambel. Le plus classe, c'était Mirambel. Redis-le parce que moi, soleil. Mirambel, bien sûr qu'on t'entend. T'as vu, on dirait comme un nappage de gâteau. Et il y a un camion, mais honnêtement, depuis ce matin, on a vu trois voitures, deux camions, c'est vraiment calme, c'est calme, quoi. Allez! T'as vu les vagues qui sont dire un nappage de gâteau au chocolat? Ouais, un nappage de gâteau au chocolat, ouais, pourquoi pas. Allez. Aïe aïe aïe, putain, cette beauté quoi.
On va attendre un peu Rudinette. Ça m'en met les larmes aux yeux tellement que c'est beau.